matin sont de l'Alaska, ils regardent, nous savons, les Scandinaves sont là. Scandinavian, America got present with us this night for the fourth stage of the Grand Odyssey. Your marvelous heaviness, your resource to follow this stress and to get in a lot of big public and watch what the public are to see. Yes, let us see! Vous êtes en communion avec le public et en communion avec les connectés. Le premier attelage dans quelques instants. Premier départ, Stéphane Planou, le chef du Sud, Steph. Vous regardez ce magnifique attelage. Il va partir très vite de sa voiture. C'est sa 54e participation. Il a toujours fait deuxième au classement d'Antique. Il va se régaler, c'est le chef du Sud. Et regardez cet attelage qui veut s'élancer, qui veut partir. Cet attelage fait qu'il est hâte, c'est que le chrono soit lancé. Je vous laisse apprécier le concert de chien. Départ imminent du machin français, concert numéro 13, Yohan Henry qui nous vient de l'Ouest. Et comme je le disais, des machins ont parfois d'autres métiers, c'est son cas, puisque Yohan Henry est également futilitaire. Yohan, heureux de te retrouver sur la grande édition de bref, heureux de te voir avec nous, heureux de te voir avec le sourire sur cette étape présentée par Sunweb. Seconde, 30 secondes pour le départ. Ça paraît long pour les handlers, ça paraît long pour les chiens. La tissue, vous avez tapé bien sûr sur les banderoles. Vous avez crié, vous avez 16 départs, il en restera 14. Vous avez tout donné pour saluer ces chiens magnifiques et ces mechins exceptionnels. Attention, il est en éminent pour les Français. Thank you.
Mais ça le fait toujours. Ne résistez pas, allez-y, faites-le passer. Vous avez un chien, regarde, vous avez un chien. Ils ont fait cela. Vous pouvez faire tout ça, mon drôle. Vous pouvez tuer, ils ont fait cela. Il n'y a pas de chasseur qui vous demande de le faire faire. Parce qu'il n'y a pas de temps pour tout le stage. C'est de dire, je vais faire le ciel, la piscine, je vais tout faire. Grand nom du ciel, et du ciel, grand nom du ciel. Vous assis là-bas, grand nom du ciel. Franchement, je vais vous dire, on a déjà vu mieux. Vous m'excuserez, mais je ne comprends pas tout. Prochaine approche, et dans cette suce, c'est l'Italie. L'Italie, on va se lancer avec Claudio de Ferrari. Claudio de Ferrari, qui parle de canotage rousse, un chien de chasse, parti pour la course. Claudio de Ferrari a déjà participé à un trophée. C'est sa première participation, et j'ai jamais vu ici. Et là, à la départ de Grand Vélissé, Claudio de Ferrari, il y a quelques instants, sur cette piste. Aujourd'hui, la Tessine, le Cardo, Claudio de Ferrari, l'Italien, l'Italien en grande forme, l'Italien en pleine forme, il s'est entraîné. C'est un sportif également de haut niveau, il a déjà plusieurs fois fait des UMB. Il est incroyable, il y a toujours le sourire. Claudio, Claudio de Ferrari, mesdames et messieurs, regardez comment le monsieur avant le départ. Bien, il donne la foi à caresser le chien. Viens, la donner un petit conseil. Il faut le mettre en place. Le chien chante également des coachs. Ils adressent un message à chaque chien. Et si un chien n'a pas son message, il va lui réclamer. Claudio de Ferrari, prêt à partir en quelques instants. Le traîneau est bloqué dans la glace, bloqué avec ce que nous appelons les ancres. Les ancres, mais comme sur du bateau, ça veut dire que le traîneau ne part trop vite, sans avoir bien sûr l'autorisation du juge. Les ancres sont bloquées, les chiens jouent plus à temps, ils veulent partir. L'Italien va s'élancer dans l'un des grands chiens. Claudio de Ferrari, Claudio de Ferrari dans quelques instants. Ici, bien sûr, c'est grand. Excusez-moi, c'est Carlos Canico. Carlos Canico pour l'Espagne. Spagne, Carlos Canico. Carlos Canico, l'Espagnol. A silence ce soir. A tous ce garçon, on dirait que c'est le plus jeune de nos mocheurs, oui dans la tête, il est incroyable, il a pendant des années été sur la grande odyssée, pendant des années il a balisé les pistes, il était là avec nous pour organiser, et puis il y a 3 ans, il a dit moi les copains je vous lâche, je veux devenir mocheur. Alors les premières années, tes copains mocheurs lui ont prêté des chiens, pour qu'il puisse faire ses premières courses, aujourd'hui il prend le départ avec son attelage. Il fait une course incroyable, toujours avec la banane, ce français, c'est Gaël Brossette, Dossard 17. Regardez ce sourire, regardez comme il est magnifique. S'il vous plaît, on va tout de suite vous demander un acompte d'encouragement. La Toussy, encouragez déjà Gaël, s'il vous plaît. Regardez son allure, regardez son visage, regardez la façon avec laquelle il vise son bonus sur la tête. Regardez avec laquelle il installe sa frontale. Mesdames et messieurs, on lui envoie le mocheur nord-américain qui va s'élancer sur des centaines de kilomètres. Plus rien ne peut effrayer notre guerre, plus rien ne peut l'arrêter. Il est prêt, il est entier, l'ensemble de son fils et de la mère qui est ici et qui prendra sans doute pour le papa et tout un trophée l'année prochaine.
Regardez cette famille unie que vous avez saluée. Là aussi, on ne lâche rien. Vous avez tapé sur les banderoles, vous avez crié, vous avez tout donné. Un départ de grande odyssée, c'est ensemble qu'il se partage et qu'il se vit. Alors dans quelques moments, préparez-vous s'il vous plaît. Il sera trop tard ce soir lorsque vous serez devant votre assiette avec le verre. Ce sera foutu. La Pologne des dieux, mon Dieu. Après la grande odyssée, c'est alors. Quelle est prête. C'est la fin, je t'aime. Parce qu'ils étaient en montée sèche. 4 km en 500 mètres de dénivelé, ça a été fait en une demi-heure hier soir. Donc effectivement, aujourd'hui, ils partent eh bien, dans le sens inverse d'il y a une semaine. Un Mechar que nous découvrons, mesdames et messieurs, une histoire, une légende. C'est avec tous les connectés hier, parce qu'il a pris son départ. On sort 18, il vient d'avoir un seul mois. Pendant des années, on veut voir la grande odyssée. Allez, il a eu envie de prendre le départ. Il venait régulièrement. Et puis un jour, il s'est dit, allez, je tente, je prépare les chiens, je m'entraîne. Il a pratiqué le trail, il pratique le sport, il a tout conçu également. Et bien le badgering, sachez qu'il a un titre de champion du monde. Le badgering, c'est un sportif. Il a plusieurs titres également en entraînement. Et puis sa légende, et bien il est en train d'écrire. Il en est peut-être à la première page. Et cette légende, il écrit avec ce monsieur. Ce monsieur, et bien c'est son papy qui lui a accompagné son petit-fils. Si ça, ça ne va pas lui encourager, si ça, ça ne lui donne pas les émotions, et l'envie d'applaudir, et bien ce qu'il faut vous partir, le clan, la team, Clément, dans quelques instants, vous allez tout donner avec Céline derrière, qui appelle les Allemands à tenir les chiens. Le départ est l'image du jeune français, qui pour l'instant fait une très jolie course. Il sait que le podium, ce sera difficile pour lui cette année. Mais son rêve, il l'a compris, il l'a écrit sur les réseaux sociaux. J'y suis, mon rêve c'est tous les jours, sur chaque étape, je suis sur la grande odyssée VVF. Imaginez ce que ça représente dans le cœur, les salons d'entraînement, les mois de préparation, les privations parce que c'est un budget. Aujourd'hui, être à vos côtés grâce à vous, et vous savez savoir bien sûr, les grands moments qu'il nous faut. Départ dans moins de 30 secondes pour les Français. Les chiens aujourd'hui ont compris. Ils savent qu'ils sont dans la course. Ils savent que derrière eux, ils ont un leader. Ils ont des chiens qui reviendront sur la grande course. Ils savent qu'il faut tout donner. Ils vont tout donner. Céline, Jérôme, avant la difficulté que vous avez fait dans la France. Mais les Français, les Français, ça va les internautes, sympa le départ de Clément. Il est super simple, il n'y a vraiment que ça. Au début, il a un cœur généreux. Il s'excuse toujours quand il pose une question. Il est vraiment incroyable. On a trop d'attaches, des attaches de cœur. On continue. Allez, ça continue. Et le prochain, je regarde. C'est Rodolphe Tapé, le français. Troisième au classement nordique. Rodolphe, 2 minutes.
Rodolphe Lardet, mesdames et messieurs, avec une chasuble particulière. Regardez sa chasuble, Clarisse. C'est la chasuble de leader. Alors, c'est pas de leader, c'est la chasuble de poker. Chasuble de poker, mesdames et messieurs. Tous les jours, vous avez sur la grande liste de l'EF un mocheur qui part avec cette chasuble, exclusivement remise par l'équipe de terminal. C'est une chasuble qui, tous les jours, récompense un mocheur qui parvient à donner en soin à ses chiens. Le juste sang pour trouver l'équilibre et obtenir la performance. Et ça, ce sont, eh bien, nos amis vitaux qui ont décidé. Tous les terminaires, je vous le rappelle. Et si Rodolphe a cette chasuble aujourd'hui, c'est parce que Rodolphe a toujours fait en sorte d'amener ses chiens à la patience, d'amener ses chiens à l'attente. C'est le travail qu'il fait aujourd'hui. C'est cet étage, eh bien, qu'il accompagne sur cette longue odyssée. Voilà, Rodolphe a travaillé dans ce sens et les boutons, eh bien, nous font ce travail. Il est coquin aujourd'hui, ce sera un autre coquin demain. Et à la fin de la grande odyssée du NF, il y aura un basque coquin. Toujours avec notre partenaire Royal Canin, la couronne rouge, plus de 50 années au service des chiens et des chiens, avec une alimentation de très grande qualité. Rodolphe est prêt, Rodolphe, le départ de Rodolphe, c'est lui, dans combien de temps? Combien de temps, Céline, pour le départ de Rodolphe? 30 secondes. 30 secondes pour le départ de Rodolphe. Céline, notre juge, qui fait appliquer tout le règlement. Elle n'est pas grande, mais je peux vous assurer qu'elle a fait trembler plus d'un. Et elle, toute seule, elle s'est fait trembler plusieurs attaches. Elle est incroyable. Incroyable. Mais surtout, elle est juste. Départ imminent pour le français. Allemand, tout va bien. Il est prêt. Attention. Dans quelques instants, il va s'élancer. Il est bien ici. Regardez ce monsieur, c'est incroyable, discret, humble, modeste. Il a arrêté le machine il y a 20 ans parce qu'il y a eu un accident, un pet dans la vie, comme on dit. Et ce jour-là, il a décidé de décrocher, d'arrêter. Il a décroché, d'arrêter le machine, alors que c'était l'un des plus grands mocheurs européens. Il a arrêté après avoir fait la Moscova. La Moscova, c'est Saint-Pétersbourg, Moscou, 900 km à une température de moins 65 degrés. Il l'a fait, c'est franc, c'est une légende pour tous les mocheurs. Et il est avec nous, il ne se met pas dans la lumière, il ne dira jamais rien. Bravo Franck. Tourmis pour la plage italienne. La plage italienne. De Ferrari, l'Italie qui est un peu chez elle ici, patrimoine bien sûr, Claudio de Ferrari, Italia, no front, just say Italia, ok, Italia, yeah, Claudio de Ferrari, regardez la beauté de son attelage, Claudio a déjà participé à quelques trophées. Il participe pour la première fois, Claudio, à la grande odyssée. Il se défend bien, un attelage italien performant. L'objectif pour eux, bien sûr, eh bien, c'est d'aller jusqu'au bout de la course. Je vous le rappelle que l'objectif d'un mocheur, c'est d'inscrire sur son palmarès finisseur de la grande odyssée. Finisseur de la grande odyssée. S'il ne sait pas, ils ne font pas une étape, ils ne peuvent plus indiquer, Jules, qu'ils sont finisseurs. C'est terminé. Donc il faut ménager l'attelage, il faut ménager le mocheur. C'est pour ça qu'ils ont un nombre de choix et que régulièrement, en fonction de la difficulté de l'état, de la neige, de la température, de la qualité du public aussi. Ouais, ben là si j'étais eux, j'aurais mis moins de chiens, moi je vous le dis. Ouais, ben, là, vous pouvez vous rattraper encore. Et bien en fonction de tous ces critères, ils vont gérer leur attelage comme on gère une équipe de sport. 30 secondes pour le départ de l'Italie. Claudio de Ferrari sur cette étape présentée par Samuel. Le méchant a mis les encres, il a les encres, il a son niveau. Il appuie sur le trio. Il est en train de se poursuivre sur le voyage. Le cache qui veut partir. Le cache qui veut s'avancer. Le cache qui veut s'avancer. Three, two, one, go!
Bon, ça va toujours. On vit mieux au Corbier après, hein. Il y a la place, de toute façon, au Corbier, hein, Patrice. On a la place au Corbier, tout le monde vient au Corbier. Hein. Bon, on vous attend. Ouais, on vous sera. Venez tous au Corbier ensuite. Voilà. Mais par contre, vous nous laissez partir avant, parce qu'il faut qu'on soit sur les arrivées. Et on me précise à l'instant que vous avez une navette gratuite devant l'office du tourisme jusqu'au Corbier. Il y a que jusqu'à 21h15. Ce sera en général. Donc vous avez cette navette gratuite pour nous rejoindre au Corbier, pour vivre avec tous les arrivés. Vous aurez des sprints et puis vous aurez les podiums. Venez, continuez la fête sur cette quatrième étape. La Toussure, le Corbier. Qui dans quelques instants va voir s'élancer au dessin numéro 12. Il s'agit de Pierre Chaplin. Pierre a déjà participé à 3 trophées. L'année dernière, il a fini 2e. C'est sa première participation à la Grande Odyssée. Quand je dis première participation à la Grande Odyssée, c'est-à-dire toutes les étapes. Un trophée auquel il a participé. Il y en aura à nouveau à partir de vendredi. Eh bien, ce sont un trophée, c'est 4 étapes de la Grande Odyssée. Il ne fait pas tout le parcours. Ça permet à un survêcheur de se préparer, de se mesurer et bien sûr de tout mettre en place pour un jour venir sur un grand domicile. Bébé, Pierre Chaplin, en quelques instants, avec les chiens qu'on connaît à chaque fois en regard, sur tous les départs, regardez-les. Ils veulent partir, ils veulent s'y aller. Elle est magnifique. Non, coupe la musique, on entend les chiens. Merci Nico. Ouais, j'avais pas ça, écoutez-les. J'avais vu la caméra. Ah, les deux. Oh, c'est bon. Oui, alors, surtout ceux devant les chiens de tête sont en train de dire. Daniel, est-ce que tu peux faire quelque chose parce que c'est... Ah, c'est bon. Je pense qu'ils parlent de vous. Je pense que c'est ça qu'ils sont en train de dire. Vous allez leur prouver le contraire. Attention à tous. Le départ est tout le monde prochain. Vous explosez. La touche. Oh mon Dieu. Eux, ils filent là. Moment incroyable sur la Grande Odyssée pour vous, vous allez faire la rencontre d'une légende. La légende Jean-Paul Bazard, qui va s'élancer avec sa chasuble, Crédit Mutuel, le Crédit Mutuel qui soutient le chasuble de leader. Jean-Paul Bazard, devant vous, mesdames et messieurs, 4 titres de champion du monde, 13 titres de champion d'Europe, vous le savez, parce que vous l'entendez toujours, les intervalles, les multiples titres de champion de France. Mais surtout, Jean-Paul Bazard, c'est plus de 10 victoires en catégorie nordique sur la Grande Odyssée VVF. Jean-Paul Bazard, dans quelques instants, va s'élancer sur le traîneau. Eh bien, c'est Jocelyne, c'est une course qui a également participé à de nombreuses courses internationales. Jean-Paul Bazard, aujourd'hui, par les franchisés de l'Équateur, il est encore et toujours leader. Dans la catégorie nordique, sa passion, sa fierté, Jean, ça veut dire que tous les chiens sont nés à la maison. Tous ces chiens, même de ces chiens qui portent dans son cœur, il s'agit du verre, du verre de lui. C'est bien, et bien que tout a commencé. Jean-Claude Bazard. Jean-Claude Bazard, mon cher appétit, tu vas bien avoir les larmes. Et oui, parce que les méchants sont des gens sensibles. Et avec Jocelyne qui fait participer également cette année à un trophée, et bien depuis des années, ils font une team incroyable. Jean-Paul Bazard, aujourd'hui, la légende. Et je vais vous dire, c'est le plus beau souvenir de la MDC. Lui qui court avec les Nordiques. Les Nordiques arrivent souvent après les chiens de course, qui sont un petit peu en compétition. Et bien son plus beau souvenir, Jean, c'était en 2021. Il est venu sur le podium général
en deuxième finale, à la troisième place au général, avec un attelage nordique à côté des autres attelages de course. Et ça, c'est sa plus grande fierté d'avoir ce jour-là montré, prouvé que les nordiques avaient des compétences et des capacités remarquables et qu'ils méritaient bien sûr aussi d'être sur le podium. Le départ du français dans moins de 30 secondes. Là, tout sûr, vous allez tout donner. Sinon, vous allez le regretter. Allez, nous sommes sur les derniers départs. On se bouge, on se move, on se secoue, on y va. On donne le départ imminent du français sur cette étape présentée par Samuel. Oui, leader de la catégorie nordique. Ici, sur cette deuxième partie. Nous allons maintenant vous présenter un monsieur polonais, un monsieur particulier. Et j'avais dit polonais, ben oui, il est polonais. Il s'agit dans quelques instants de Luka Paczkowski. Luka Paczkowski, dossier numéro 5. Luka Paczkowski sous cette arche. Regardez le monsieur. Mesdames et messieurs, on a plaisir de présenter de temps en temps des monsieurs de ce tempérament, de ce profil. C'est un aventurier, c'est un vrai. Il vit dans les montagnes polonaises. C'est un producteur de fromage de chèvre. Il fait des compétitions avec les copains des élevages voisins. Regardez ce profil. Il lâche très rarement à sourire. Et pourtant, il a le cœur généreux. C'est un Polonais incroyable. Soutenu, il est coiffé, eh bien, d'un chapeau fait avec, bien sûr, la laine de ses chèvres. Le Polonais Paczkowski, jamais froid, jamais il se plaint, il mange, qu'il trouve. Et comme je vous le dis, eh bien, sur les parcours, sur les circuits, parfois, si un arbre venait à chez lui, il consomme avec le temps. C'est ça, les aventuriers de chaleur. C'est ça, les Polonais. Nous sommes très heureux d'avoir, eh bien, ce personnage sur cette grande odyssée qui actuellement se défend bien puisqu'il est dans le top 5 du classement général. Et on sait que chez les Polonais, rares sont ceux qui donnent le jeu tout de suite. Sans doute qu'il en tient encore sous les patins de traîneau et qu'il n'a pas fini de nous surprendre. Poland on the start. Luka Paczkowski, in few minutes here, en 10-12 here à la Touffire. Luka Paczkowski, sur cette étape présentée par Samuel. Luka Paczkowski ne parvient plus à tenir son traîneau. Les chiens de tête veulent s'élancer. Eux également. Sachez que l'été, ils travaillent principalement avec les bandes Arconi. Les Hounds, c'est principalement l'hiver pour les courses de traîneau à chiens. Il a quelques bons résultats dans le pays. Il reste dans 30 secondes. Regardez cette communion entre le monsieur, son regard et le regard des handlers. Pas un mot, pas un geste. Tout se fait avec les yeux. C'est ainsi qu'il communique également avec ses chiens. Regardez cet instant incroyable de monsieur ce soir ici à Tuffire. Il regarde la gorge. Son départ est imminent. Le Polonais va s'élancer. En quelques moments, le monsieur, va passer les mains. Allez, à Tuffire. Ça va toujours? On continue? N'oubliez pas, après, nous on fuit le cormier, hein, parce qu'on a l'arrivée, Bernard. Si on n'est pas à l'heure, Patrice, il va pas être content. Hein. Tout est en place là-bas pour que la fête continue ce soir. La Grande Odyssée, c'est jusqu'au 25 janvier prochain. Nous sommes désormais sur 3 départements, Haute-Savoie, Savoie, Isère, avec le soutien, bien sûr, de la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'occasion, une fois encore, de remercier tous nos partenaires qui, chaque année, chacun de nos partenaires, nous permettent de réaliser une course magnifique. Nous avons aussi, monsieur le chaque année,
il vient pour le déstocher. Il a participé à plusieurs profils du serment de lycée. Il est incroyable. C'est le sourire sur le traîneau. Il est remarquable. Aujourd'hui, il est fier. Il est à la deuxième place du général dans le Nordique. Il sait pourquoi il est là. Parce qu'il veut faire la peau. Mais c'est un copain. Il veut faire la peau à Jean-Claude Hazard, qui est devant. Et vous savez ce qu'il a mis au pied pour aller plus vite aujourd'hui, malgré le temps. Il a dit, je quitte les chaussures d'hiver qui sont trop lourdes. Il a mis des chaussures de sport. Il a mis des chaussures de sport parce qu'il a dit pour pouvoir reprendre la première place à Jean-Claude Hazard. Il a fait un cours derrière notre nom. Philippe, on te dédicace la séance émotion ce soir. C'est pour ça, tu l'as mérité. Vous connaissez Philippe, mais c'est vrai, je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ses pieds, il a mis des chaussures de sport. Il m'a dit tout à l'heure, c'est des chaussures de sport, parce que je veux courir, et je veux rattraper Jean. Alors les deux sont copains, mais ils sont à 3 minutes, hein. 3 minutes hein, entre le premier et le deuxième, et je pense qu'ils vont nous réserver des surprises, jusqu'à l'arrivée finale le 25 janvier prochain. Et c'est ça, la grande odyssée de VF, c'est des rebondissements. Des rebondissements, vous savez, parce que vous regardez tous les soirs les résultats, les copains connectés, et vous savez que des rebondissements, il y en a aussi chez les autres, mais on va les signaler tout à l'heure. On continue. La Pologne est toujours présente, avec deux attelages cette année. Vous avez vu partir tout à l'heure, Luka Poczanski. 2 minutes. Et bien maintenant, c'est Luka Patch. C'est ce que je dis, cette année, il y a beaucoup de chance, qu'il est polonais, c'est pas Luka. Donc c'est très bien. Luka Patch, de ça, numéro 15. Luka Patch, qui fait une très jolie course également. On s'est lancé dans quelques instants sur cette étape. Là tout de suite, le corbeau, Luka Patch. Dans quelques moments, sachez que Luka Patch, eh bien, fait très attention parce que derrière lui, 1 minute 04, eh bien, au général, il a fait des spurgeons. Il est parti juste avant lui. Et ça, il le savent. Et pourtant, les spurgeons, il est avec un langage nordique. Et bien, il sait que Lucas, qu'il va falloir donner la course qui est un chien, notamment que tout peut se produire, tout peut arriver. Jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier 100 mètres, tout peut se produire. C'est-à-dire que, bien sûr, le chien est l'incident sur la dernière étape, 1 km avant de terminer, et qu'il ne termine pas son étape. Et même si le premier général, il perdra sa première place. Toute l'importance de dégager son partage, de dégager sa montée de l'autre. Luka Patch, le polonais a allumé la frontale. Il mène, il serre le point. Il monte, il a la force ce soir. Luka, you have the power, si vous aimez. You have the power. Ok. Thank you very much to be with us. Il est prêt, il a tout donné. C'est un monsieur attachant. Les dernières sont en train de regarder le chrono. Le départ est imminent. Et n'oubliez pas la toussure, nous sommes sur les derniers départs, les derniers attelages, il va falloir maintenant taper sur les banderoles. Plus vous allez le faire, plus vous allez les encourager, plus ils vont accélérer. Attention pour le polonais, à vous.
après les Polonais, après les Italiens, les Espagnols, eh bien, nous retrouvons un Espagnol en place. Il s'agit d'Iker Oscoli. Iker Oscoli est actuellement à la deuxième place du classement général. Meilleur Espagnol, meilleur Aguirre. Il a déjà fait toutes les plus grandes courses européennes. Il a participé plusieurs fois à la Grande Odyssée. En 2019, il était derrière le Français Rémi Coste. Il a perdu la première place à 1 minute 44 secondes. L'année suivante, il l'a perdu à 14 minutes. Il revient cette année. Et je le dis à chaque fois, non pas pour faire des photos, il vient pour gagner. Iker Oscoli va tout faire. Il est actuellement à 6 minutes, un petit peu plus de 6 minutes de la première place. C'est une fusée. Iker Oscoli, c'est un nom d'une machine. Iker Oscoli en Espagne, on le connaît partout. Il est avec nous sur cette grande odyssée. Il revient. Iker Oscoli, come back. Mesdames et messieurs, il nous fait vibrer depuis le départ de cette 20e édition. Incroyablement, Iker Oscoli, dans quelques instants sur le départ. Regardez, personne ne tient son traîneau. Ces chiens ne donnent pas d'un coup. Ils s'aboient, ils citent de partir. Ils leur parlent, ils les cochent. Ils leur font comprendre que la course est imminente. Et nous verrons ses regards lorsqu'il va monter sur son traîneau. Les chiens ont compris qu'il fallait y aller et que peut-être sur cette étape ici, c'était l'étape ultime où il pouvait reprendre le terrain sur le leader. Le leader qui partira dans quelques étapes. Iker Oscoli, face à un numéro 7, l'Espagnol, regarde le chrono. Il est tiré le découvert du juge. Il balance les derniers mots aux chiens. Il leur dit de se calmer. Il leur fait comprendre qu'il faut garder l'énergie. Que la payeur leur permettra peut-être d'occuper la première place. Iker Oscoli se dirige vers son traîneau. Ce départ éminent comme celui qui est deuxième en général. Vous allez le saluer dans quelques instants. Vous allez entendre le souffle de son attelage. Passer devant lui. Lui qui s'est tout déplacé. Lui qui rien n'arrête. Lui qui ne galère. Va partir la deuxième. Mesurez la rapidité. Un départ comme celui-ci pour Iker Oscoli, il a plus de 20 km/h. Plus de 20 km/h de puissance. Certains dépassent parfois dans certains secteurs des parcours 30 km/h. Il me gère, après leur monture, parce qu'il ne faut pas épuiser, bien sûr, l'attelage. Plus de 20 km/h pour Iker, c'est certain. Dans quelques instants, nous allons continuer, bien sûr, d'accueillir ces attelages incroyables. Et plus nous allons avancer maintenant, nous sommes sur les derniers départs. Si vous n'avez pas tout donné maintenant, vous ne donnerez plus. Vous allez maintenant chercher tout ce qui vous reste en énergie, en force, pour encourager tous les attelages, les derniers attelages, parmi les meilleurs. Après, Iker Oscoli, l'Espagnol qui vient de se lancer à l'instant, l'attelage qui va suivre maintenant, et bien c'est l'attelage d'une Française qu'on connaît très bien avec Corinne en meilleur. Elle a mis le casque parce qu'elle sait que c'est ça, elle va tout donner. C'est ça, elle va peut-être prendre des risques dans les virages. C'est la Française, Cindy Duport. Cindy Duport, plusieurs titres de championne de France. Cindy Duport a gagné la grande Odyssée en catégorie limitée en 2019 et 2020. En 2021, 2022, 2023, pourtant, elle a fait deuxième. Cindy Duport a tout fait, c'est son métier, c'est sa passion. Cindy Duport fait partie de ces mocheuses qui ne cessent de se former pour amener à apporter plus, toujours plus de performance à l'attelage. Aujourd'hui, Cindy est à la quatrième place du général. Cindy Duport est à 3 minutes 45 de la troisième place. 3 minutes 45 de la troisième place. C'est-à-dire que sur une étape comme celle-ci, ça peut se jouer. Même si tous sont excellents, et nous l'avons dit dès le début de cette Grande Odyssée 2024, nous l'avons signalé, il pourrait y avoir un rebondissement jusqu'à l'issue, jusqu'à la fin. Cindy Duport à 3 minutes 24 de la troisième place. Mais je sais que derrière,
Alors le Polonais également à 5 minutes. Luka Plachaski, que vous avez vu partir tout à l'heure. Le producteur de fromage de chèvre, le montagnard polonais, qui s'est lancé. Sylvie, regarde comment on prend la troisième place. Vous avez remarqué également, parce qu'elle ne veut pas perdre sa quatrième place. 15 secondes. Elle est confiée que cette année, elle continue encore sa préparation. Parce que l'année prochaine, elle reviendra, elle visera le podium et la victoire. Sylvie Dupin, la française, dans quelques instants, ici, à la touche. Bravo! Mesurez la vitesse à laquelle elle part. Tous ces derniers mushers, regardez la vitesse avec laquelle ils partent. Ce sont des fusées. Ils sont incroyables. Quel travail, quel entraînement. Et on va continuer avec une autre mushers française qui fait des bisous au public. Il s'agit d'Elsa Lorcher. Elle est actuellement deuxième. Exactement. Et sa troisième, excusez-moi, au classement général. Troisième au classement général. Elsa. Plusieurs titres, vice-championne de France, championne de France, mais également vice-championne du monde 2023 en mille distance. Elle voyage en plus la Dinamarque et la France. Sa passion aujourd'hui, ce sont les chiens de créneau. Elle donne tout pour cela. C'est sa passion, c'est sa vie. Elle est évidemment venue nous rejoindre. Et l'année dernière, elle était également en troisième place sur le podium en catégorie limited. Nous sommes là sur cette catégorie. Et bien sûr, où les mushers font toutes les étapes. Elsa Borger, dans sa 10. Elsa Borger, en troisième position. Elsa Borger, qui est à 4 minutes 07 de la deuxième position de l'Espagnol Iker Rosconi. 4 minutes 07 d'Iker Rosconi. Derrière elle, bien sûr, elle a Sylvie, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est à 3 minutes 47. Elsa, Sylvie, sur cette étape, eh bien, peuvent vous créer la surprise du beau machine, du beau sport, de la compétition à rebondissement, comme nous l'aimons. Dans quelques instants, Elsa va s'envoler ici, sur cette étape de 22 km entre la Toussuire et le Corbier. Elle va partir dans cette nuit morienaise qui vient de s'installer. Nous la retrouverons au Corbier, nous aurons les podiums et nous aurons ce soir la tendance. Je vous le rappelle, elle se bat pour la seconde place qui est encore possible pour elle. Pourquoi pas la première, même si l'écart est important, mais nous vous l'avons dit. En plus, au trim machin, tout faut se produire. Mais elle sait qu'il faut qu'elle regarde derrière. Parce que même si elle sont amies, Cindy ne lui fera pas de cadeau sur aucune étape lorsqu'elles sont en compétition. Elles sont compétitrices. Bien sûr, quittez le créneau, elles sont amies. Mais le sport, c'est ainsi. Nous allons encourager la française en quelques instants. Nous appelons tout de suite avant-dernier départ pour encourager Elsa Borger. Attention, vous tapez sur les banderoles, vous allez crier, vous allez comme un chien japper, vous allez hurler. Vous avez vu Elsa, Cindy, vous avez vu à la vitesse où elles sont parties, comme Iker. Ça promet du rebondissement. On va accueillir le dernier ce soir, vous allez accueillir avec nous. Moi je vous salue tout de suite, parce qu'une fois terminé, paf, on part au Corbier. Sinon Patrice va pas être content, c'est clair, du Corbier va porter les gros yeux. Et il soit à l'heure surtout d'ailleurs. Donc on va faire un maximum avec toutes nos équipes. Je vous embrasse, on se retrouve demain. Demain, nouveau départ, on sera au Carélis. A demain les copains connectés, salut. Allez attention, enlevez vos bonnets, enlevez vos chapeaux, enlevez tout. Dernier départ ce soir ici à la Toussuire. Vous avez tout déchiré, vous avez tout fait. Allez, merci, je vous remercie, je vous remercie. Le monsieur qui va prendre le départ maintenant, c'est le Norvégien. Le leader qui va prendre le au général, Hans Lindel, le Norvégien, vice-champion du monde en 2022. Mesdames et messieurs, une légende, une machine européenne. Il a participé à toutes les plus grandes courses internationales. Il adore les trains. Il est incroyable. Il est ici, actuellement au général premier.
L'an dernier, il a pris la troisième place. Il a pris la différence. Sur l'Espagnol, il commence à aller dans les 6 minutes. En quelques instants, le maire de Jean va s'envoler. Allez-y, commencez tout de suite à faire du bruit. À tout suivre maintenant. Tapez sur les banderoles. On veut vous entendre. Allez-y, à tout suivre. Oh, Spiegel. Oh, Spiegel, on est prêt. Dernier départ ce soir aussi à Tussur. Je ne veux plus voir un bébé sur les têtes. Enlevez-vous, agitez. Enlevez-vous, pour ajouter. Ouais, je ne veux plus voir tous les autour des mains. Comment toutes les grandes courses américaines. Ajoutez vos bonnets, ajoutez vos écharpes. Ajoutez vos chapeaux, ajoutez vos potiches. Ajoutez tout. Le départ est imminent pour les Norvégiens. La touche du dernier départ, on déchire tout. Attention, les Norvégiens, en Slimane, le retard départ, extraordinaire possible. Vous ne devez plus jamais partir, parce que c'est sa dernière saison. Il a avancé, et donc on a un machin, et bien qui vient pour gagner, pour vaincre, et qui avance au financement. Et bien c'est sa dernière saison, ça mérite les honneurs du public, où que l'on passe, en Slimane. On vous embrasse, vous avez quand même été un public, on n'oubliera pas. Merci pour tout.